apprendre à calculer le rapport de taille. Il peut arriver, c'est un peu de maths et de SVT. Il arrive qu'on vous donne la longueur, par exemple, la taille du foie et la taille de l'hépatocyte. On vous demande le foie, entre le foie et l'hépatocyte, qui est le plus grand et quel est le rapport de taille. C'est très simple. Voilà, le foie mesure 29 cm, l'hépatocyte mesure 37 micromètres, UM c'est micromètre. Rapport de taille entre les deux. Quel est le rapport de taille entre les deux? C'est très simple. Le rapport de taille, vous faites le foie divisé par l'hépatocyte. Mais il faudrait que vous ayez les mêmes unités. On ne compare que ce qui est comparable. On ne peut pas comparer un chien à un chat. Eh bien non, pour comparer, il faut comparer les chats entre eux et les chiens entre eux. On ne peut pas me comparer, moi, avec, par exemple, un cheval. Non, le cheval, c'est un cheval, et bien moi, c'est une personne. Donc, si on veut comparer, on compare les objets de même nature. Voilà, on ne peut pas comparer une voiture à un humain, vous êtes d'accord? Voilà, donc, il faut avoir les mêmes unités. Donc, ça, vous convertissez cela en centimètres. C'est nettement mieux de ramener en centimètres. Si vous convertissez en micromètres, c'est plus compliqué. Donc, ça, vous le ramenez en centimètres. C'est tout. Donc voilà, vous avez votre tableau, ici, converti le mètre, le décimètre, le centimètre, le mille. Parce qu'en fait, converti, là, ça fatigue énormément les élèves. On va en profiter pour apprendre un peu à convertir. Et puis, vous avez un point, ça c'est le micromètre. En fait, le micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc, par rapport à ça, si vous comptez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ainsi, vous avez le nano. Donc, vous prenez le 7 là, vous le mettez dans le micro. Le 7, il est ici. Vous mettez 3, faites 0, 0, 0. On est en centimètres, on met sa virgule. On met sa virgule. Ensuite, ça fait 37 fois 10 puissance. Si on dit 37, ça fait 37 fois 10 puissance moins 4. Donc, on fait 37 micromètres en centimètres. Ça fait 37 fois 10 puissance moins 4 centimètres. Voilà, centimètres. Alors c'est tout. Et vous mettez ça ici, vous avez les mêmes unités. Et on calcule, ça c'est 10 puissance moins 4. Il va monter. Il monte, ça devient 10 puissance 4. Ça devient positif, ça devient comme ça. 29 fois 10 puissance 4 divisé par 37. Quand c'est négatif, il monte, il devient positif. Positif, donc ça fait 29 000. Parce que 10 puissance 4, c'est 10 000. 10 000 fois 29, ça fait 10 000 fois 29, ça fait 290 000. Alors voilà, ça fait 290 000. On ajoute 4 zéros. On ajoute 4 zéros, c'est tout. 10 puissance 4, on ajoute 4 zéros. Divisé par 37, ça vous fait 7838. Donc en fait, le foie, il est 7838 fois plus grand que l'hépatocyte. Alors voilà, c'était le rapport de taille. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.